Et salut tout le monde, c'est Diablo. Aujourd'hui on se retrouve pour un 28ème épisode sur le Let's Play de Carmageddon. Et on retrouve la neige, quoi, et pas vu depuis un petit moment. Donc vu qu'on avait gagné la dernière fois le pitbull, ce véhicule là, on va l'utiliser. En même temps on regarde si on n'a pas des nouvelles pièces. Ah ça y est, on a les pièces niveau 5. Donc là attention, on rigole plus. On va passer un cap à un niveau supérieur, j'ai envie de dire. Vu que c'est le dernier niveau avant le niveau ultime. C'est là où on a les pièces maximum. Et je crois que c'est à la fin du jeu ça. Donc les participants ont retour au Toscum avec leur véhicule celui-ci. Hawk Simpson avec le 4x4 bleu, l'agent orange, Stella Stunner qu'on n'a pas vu depuis un moment. Et Hans Frost à nouveau qui a ce véhicule-ci, voilà. On sait pas s'en rappeler les Allemands. Hein. On va vite les défoncer, je pense. On va mettre les nouvelles pièces là. On va se faire plaisir. Ok, on commence dernier. On croit le parcours. Donc c'est assez vaste. Donc de mémoire, j'étais jamais allé sur la patinoire. Hein. Tout en bas de la map. Enfin, pas sinon, c'est juste un lac gelé. On déplace, on glisse dessus. On avance à 2 km. Je vais défoncer dès le début. Par contre, la grue, elle va me gêner un peu. Un peu beaucoup. Ouais, je l'ai vu même facilement. J'aurais même pas affiché des dégâts de côté avant. Donc, bon, ça va le faire. Ça va pas le faire. Le coton, ça m'a mis. Par contre, ouais, je me souvenais pas que c'était aussi chiant la grue. Dommage qu'on puisse pas monter la caméra. Et que je me suis loupé. Bon, ça c'est bon, le véhicule faut défoncer, celui va bien chercher et tuer tous les piétons.
Je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, tout au bout il n'y avait rien, vraiment, et ça. Moi, je ferai peut-être une vidéo sur, sur le serveur de ZRT. Montrer un petit peu les maps. Mais elles sont pas définitives. Ça fera une vidéo quand même sur Trackmania, un jeu que je joue assez souvent. Enfin, plus trop maintenant, mais à un moment, j'y joue beaucoup. D'ailleurs, je suis dans une team. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo. Ouais, quoi que non, je vais attendre la vidéo officielle de la team pour faire une petite présentation. Indiquer qu'on recrute aussi. On recrute TM2 Stadium et Shootmania Elite. Sachant que je m'occupe de la partie Attraction. Et pour l'instant, on n'est pas beaucoup de monde, on est entre 2 ou 3. Donc on recrute vraiment du monde, si possible assez bon sur le jeu, assez présent aussi. Ça sur le forum, sur TS, dans le jeu. Il faut savoir que nous, on est plutôt orienté compétition, enfin, pour l'instant on est orienté rien du tout vu qu'on n'est pas beaucoup, mais à terme ça serait pour faire des compètes. Être un petit peu dans le milieu de l'e-sport. D'ailleurs, avec la team, on va déjà la gamer incendie ici en avril. Ceux qui savent pas, c'est la plus grande LAN de France, enfin une des plus grandes LAN de France. Ça se tient à Poitiers, au centre Palais des Congrès, je crois que ça s'appelle. De Poitiers, c'est pas loin du Futuroscope. C'est excellent quoi, il y a plein de jeux, il y a des compétitions qui se font, même des compétitions internationales, par exemple sur Trackmania, la plupart du temps il y a le SWC, donc le SWC c'est quoi, c'est une compétition du monde, enfin le World Cup entre guillemets, il y a les meilleurs joueurs mondiaux qui viennent s'affronter pour être champion
Tu montes sur Trackmania par exemple. Et l'année dernière, c'était un super match qui avait opposé, je crois qu'il y avait Carl Junior. Il y avait Bergy, pas comment on appelle ça, la conférence, Kunz, et Acer. Et Zink, je sais pas comment on pense. C'était Carl Junior qui a gagné. Enfin, moi je me suis inscrit en joueur libre, vu qu'on n'a pas beaucoup de monde membre sur Trackmania 2. Même si la compétition est individuelle, de toute façon, le niveau, je n'aurais pas passé du pool. Alors, je me suis plutôt inscrit en joueur libre avec la plupart des membres de ma team. Et on a fait quand même une line-up sur Shootmania, parce qu'on a pas mal de personnes qui jouent. Shootmania. On laisse un joueur libre. J'espère que ça sera super. Ça sera pas mal. Ça faisait un moment que je voulais y aller. A chaque fois j'avais des cours quoi. Pour une fois que j'ai pas de cours demain. Maintenant les flics. Voilà. D'habitude là je perdais des dégâts, là je fais autre en arrière. J'ai absolument aucun dégât. Même deux faces où je peux afficher des dégâts, c'est excellent. Bon après il y aura peut-être les nouveaux flics qui vont apparaître. Ça sera un peu plus chaud. Allez, prends ça. Grâce à grave. Allez, hop. Putain, il est pas mourir. Hein. Et ça serait nickel parce que ça me rapporte 20 000. C'est la transition que là. Pour aller à 5000, hop, ou pas. 5000, c'est un pec. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Hop là, comment je démonte. Je me rappelle qu'à ce niveau là, lui c'était impossible de le battre avant, parce que je savais pas qu'on pouvait mettre deux nouvelles pièces. Donc, on est contenté juste de finir la course. Il était content. Parce qu'on peut pas être sur le toit avec. Ou alors très rarement. J'ai l'impression que quand on bousille un flic,
Les dégâts se répercutent sur tous les autres flics. Parce que celui-là, je l'ai même pas affronté. Bon, voilà. Ce fut assez rapide cette fois. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Diablo pour le let's play sur Carmageddon. Et à la prochaine.